Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet, hein? C'est l'été. Alors j'espère que vous profitez des festivités. Alors l'été se poursuit, nous sommes au mois d'août déjà. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour le signe du poisson. Alors bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez nécessairement, parce que vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos, donc ce n'est pas un tirage personnalisé, mais bien général. Prenez ce qui colle à vous, à votre vie, à votre situation, et laissez tout simplement le reste pour les autres. Je vous rappelle aussi avec votre clé, la clé de la destinée, le symbole pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que vous décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Ce sont des messages, des tirages de possibilités et non de fatalité. Donc, vous avez toujours le pouvoir de changer le courant de votre vie. Donc, je commence avec le tirage pour les poissons qui sont en couple. Alors, on commence avec les messages des anges de l'amour. Donc, le premier message, c'est laissez vos amis vous aider. D'accord? Ça, c'est le premier message des anges de l'amour. Le deuxième, c'est la confiance. Et le troisième, c'est la réconciliation. Alors, c'est sûr que si on a la carte de la réconciliation, c'est qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, bien sûr, pour en arriver à être obligé d'avoir recours à la réconciliation. Donc, si on examine la carte, laissez vos amis vous aider, on vous dit demander et accepter le soutien des autres. D'accord? Alors, c'est certain que j'aime toujours, vous savez, vous me connaissez maintenant, hein, pour ceux qui sont habitués avec moi, vous savez que j'aime toujours quand les tirages sont très positifs, mais ce n'est pas la vie et il faut savoir dire des vérités. Alors, ici, pour certains d'entre vous, et ce n'est pas tout le monde, bien sûr, qui allait vivre cette situation-là ou qui vivait cette situation-là, mais pour certains d'entre vous, vous êtes en rupture, pardon, ou bien vous pensez à rompre avec votre partenaire, d'accord? On a la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est quelque chose de drastique, c'est quelque chose de rapide, de soudain. Quelque chose, vous savez, c'est la chute de l'homme, hein, on voit toujours sur la tour des gens qui sont en train de tomber de la tour, donc et avec une explosion un peu en haut, donc une révélation, une chute, une destruction pour une meilleure reconstruction. Alors, ici, ça nous parle entre autres de rupture au niveau de la vie amoureuse ici. Peut-être que vous êtes encore ensemble, mais que vous songez fortement à la rupture. Et d'ailleurs, on a la carte de la justice. Donc, vous avez peut-être entamé des procédures de divorce, ou bien vous pensez à entamer des procédures de divorce. Vous avez déjà peut-être entamé ces procédures et vous êtes dans l'attente d'un verdict, par exemple, hein? Alors, ici, on vous dit de laisser vos amis vous aider, d'aller chercher le soutien de vos amis, parce que dans ces périodes-là, dans ces genres de situations-là, on a besoin de toute l'aide nécessaire, de tout le soutien nécessaire pour continuer ses activités quotidiennes. Hein. C'est assez difficile comme ça de faire face à la justice, de vivre aussi une rupture, hein, surtout si c'est de façon rapide, drastique et inattendue. Donc, laissez vos amis vous aider, allez chercher tout le soutien dont vous avez besoin de la part des autres. Hein. Les amis sont là pour vous aider, les amis sont là pour vous soutenir, pour vous comprendre, pour vous écouter si c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors, profitez profitez de ce qu'on peut vous offrir. D'accord? Alors voilà pour la carte de laisser vos amis vous aider. Maintenant, je vais vous rajouter aussi quelque chose par rapport à la carte de la justice. Hein. Avec la carte laisser vos amis vous aider, peut-être que
Ça sera l'occasion, en fait, de parler avec vos amis à cœur ouvert, d'entendre ce qu'ils ont à vous dire, de peut-être qu'ils seront ils auront de judicieux conseils à vous apporter, hein. Alors, soyez ouverts, écoutez ce qu'on a à vous dire, et peut-être que en les écoutant, en faisant le bilan de votre vie passée avec votre partenaire, vous allez être capable de faire de peser le pour et le contre de vos actions passées. Et peut-être que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous éveiller à quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est le mot que je cherchais. Vous allez prendre peut-être conscience de certaines choses, des choses que vous avez faites ou des choses que vous n'avez pas faites, hein, qui ont pu vous emmener à cette rupture. Comprendre aussi peut-être le pourquoi de certains agissements de votre partenaire envers vous aussi. En tout cas, il y aura peut-être une prise de conscience ici, si vous laissez peut-être vos amis vous aider et vous dire des vérités que peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre, mais qui sont nécessaires pour vous faire prendre conscience de certaines choses, d'accord? Et pourquoi je vous dis ça, c'est que à la fin du tirage, on a la carte de la réconciliation. Alors pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout? Si jamais les procédures sont entamées ou qu'elles soient entamées ou non, peut-être que vous pouvez réverser la situation, renverser la situation. D'accord? On ne sait jamais. La carte suivante, c'est la carte de la confiance. Et on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors si vous espérez revenir avec votre partenaire, si vous espérez renverser la situation, rétablir les liens, si vous espérez reconnecter avec votre partenaire, hein, régler la situation, vous pardonner, pourquoi pas, peut-être que ça peut arriver. Alors, on vous demande ici d'avoir confiance et d'avoir la foi que jusqu'au bout, de tout essayer en fait, de tout mettre en œuvre pour que ça se réalise. Et au moins, vous aurez, si jamais ça fonctionne, tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez pas de regrets. Vous allez savoir en pleine conscience que vous avez tout fait pour régler la situation, renverser la situation, d'accord? Donc, on vous demande d'avoir la foi, parce que après tout, l'aboutissement de ce tirage, c'est la réconciliation, d'accord? Alors, ayez la foi, ça se peut que ça vous arrive aussi. D'ailleurs, on voit ici que on vous demande d'avoir confiance, parce qu'en ce moment, vous êtes confus et vous êtes indécis. Vous êtes confus, il y a trop de choses qui se passent dans votre tête en ce moment et vous êtes indécis peut-être à faire tout ce qu'il y a à faire pour rétablir la situation. Vous ne savez pas, vous êtes indécis, vous avez peur de voir la vérité en face et c'est pour ça que je vous dis de faire confiance à vos amis, de laisser vos amis vous aider à voir plus clair dans votre vie amoureuse, hein. Parfois, quand on n'est pas dans la situation, on est capable de voir des choses que nous, on ne voit pas parce qu'on est trop près de la situation. Alors, laissez-les vous dire certaines vérités. Ensuite, vous pourrez enlever le bandeau de vos yeux et voir la vérité en face et prendre de meilleures décisions. D'accord? Et on voit ici qu'avec la confiance, bien peut-être que vous aurez quelque chose à célébrer. Voyez, vous avez le 3 de coupe ici. Donc, on parle de célébrer quelque chose, hein, de fêter quelque chose. Et la fête, en fait, ce sera vraiment la réconciliation pour certains d'entre vous. Si vous faites ce que vous avez à faire, si vous faites bien les choses, peut-être que vous allez réussir à vous réconcilier avec votre partenaire, hein. Il s'agit d'avoir la foi et de mettre tout en œuvre pour récupérer la personne qui fait battre votre cœur aussi, renverser la situation. Et c'est sûr qu'il y aura des vérités à vous dire entre vous deux, hein. Vous allez devoir confronter votre partenaire ou bien votre partenaire va vous confronter, peut-être avec beaucoup d'éclat, peut-être avec beaucoup de cris, de disputes, d'incompréhension peut-être, mais c'est justement le fait de confronter et de dire certaines vérités, de sortir
tout ce qu'il y a dans votre sac de part et d'autre qui va peut-être vous permettre de vous réconcilier, de vous comprendre mutuellement mieux et de pouvoir, comment je pourrais dire, de pouvoir passer à la prochaine étape, hein, la prochaine étape qui est la guérison, la connexion, la compréhension. D'accord? Alors, s'il y a quelque chose pour lequel vous avez été heurté ou vous avez heurté votre partenaire, ici, c'est votre chance de réconciliation, votre chance de guérison aussi, hein, de mettre un baume un peu sur ce qui s'est passé et de reconnecter avec votre partenaire. D'accord? Et par la suite, une fois que ce sera fait, une fois que vous vous serez dit toute la vérité, toutes les vérités à dire et que la guérison sera entamée, bien, à ce moment-là, vous pourriez commencer à parler, à faire des plans, à avoir la même vision hein, des choses, projeter avoir des projets ensemble, par exemple, des projets qui vous emmènent un peu loin dans le futur, hein, c'est-à-dire de ne pas penser simplement à aujourd'hui, mais au futur. Donc, travaillez fort pour votre relation. Ce n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. D'accord? Gardez confiance, gardez la foi et peut-être que vous arriverez justement à ce moment où vous aurez la même vision des choses et que vous allez être capable de vous projeter dans l'avenir et de créer, de vous créer des objectifs, des plans. D'accord? D'avoir des plans pour le futur. Et j'ai pigé aussi une carte avec l'oracle lumière pour éclairer un peu plus ce tirage. Et vous avez deux cartes qui sont sorties. La première, c'est la carte de l'opportunité, la chance. C'est votre chance ici de renverser la situation. C'est votre chance de régler le problème, de régler la situation. Alors, ayez confiance, hein. La chance, c'est vraiment... C'est vraiment une belle carte pour vous. Donc, saisissez l'opportunité que vous avez. Il n'est peut-être pas trop tard pour vous. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte foyer. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez donc un foyer, même si vous n'avez pas d'enfants, vous deux, vous constituez un foyer. Alors, c'est le temps de prendre les choses au sérieux, hein, de prendre vraiment, d'avoir votre foyer à cœur, assez à cœur pour mettre tous les efforts nécessaires à essayer d'arranger les choses en fait avec votre partenaire. D'accord? Alors, gardez confiance, la réconciliation, elle est au bout de vos efforts si vraiment vous mettez tous les efforts et si vous avez confiance et la foi. Donc, voilà pour vous les poissons qui sont en couple. Maintenant, c'est certain que certains ne réussiront peut-être pas à convaincre hein, leur partenaire de revenir, c'est certain. Mais à ce moment-là, tout simplement, dites-vous que c'était dû comme ça pour vous et que vous allez aller vers de nouveaux horizons, que la vie n'est pas terminée pour vous. Il y aura toujours des opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Alors voilà pour les couples. Maintenant, je vais passer au tirage pour les célibataires. Donc, je fais juste noter les minutes pour ne pas que vous me disputiez. Donc, on retire ces cartes ici. Alors, j'ai déjà pigé les cartes pour les célibataires pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, on va voir ce que ces cartes veulent bien nous dire pour vous, les poissons célibataires. Alors déjà, ça commence bien pour vous. Très bien même. Wow. Wow. Vous avez des belles cartes. Mon Dieu, c'est... Wow. OK. Alors, il y a beaucoup de positifs ici pour vous. Wow. Je n'arrête pas de dire wow, mais c'est parce que c'est très beau. Alors... Le premier message des anges de l'amour, c'est la carte très bientôt. Alors, probablement que très bientôt, il y aura quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous avez aussi la carte de sentiments romantiques.
Alors, c'est très positif aussi pour vous. Et vous allez virer la carte, c'est certainement lui ou elle, bien sûr, hein? Alors, très positif également. Donc, la carte, très bientôt, vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, ce n'est pas le temps, mes chers célibataires, poissons, d'être dans l'indécision, hein. C'est sûr que, on vous demande ici, parce que l'univers, hein, travaille pour vous, travaille à faire en sorte de vous envoyer les bonnes personnes sur votre chemin. Si vous êtes dans l'indécision, probablement que vous allez passer à côté de ces personnes-là que l'univers vous envoie, hein, parce que vous n'êtes pas ouvert ou réceptif à rencontrer. Alors, on vous dit de décider exactement maintenant ce que vous voulez pour que ça vous parvienne le plus vite possible. Donc, si vous voulez rester célibataire, c'est un choix, c'est correct, c'est parfait aussi. Mais pour certains d'entre vous, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un ou des moments avec quelqu'un. Alors, décidez exactement ce que vous voulez. Commencez peut-être par visualiser la personne les caractéristiques de la personne que vous souhaitez attirer à vous. Commencez déjà à y penser. Parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment un potentiel amoureux qui s'en vient pour vous. Alors, si cette personne-là s'en vient pour vous, mais que vous n'avez pas fait ce travail de décider exactement ce que vous voulez et de visualiser les caractéristiques, bien, vous risquez de passer à côté et cette personne-là risque de passer inaperçue pour vous et vous risquez de passer inaperçue pour cette personne aussi. D'accord? Donc, décidez le pouvoir, hein, de vos pensées, c'est beaucoup plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Alors, un beau potentiel amoureux qui se profile pour vous, pour certains d'entre vous, avec une belle connexion. Vous voyez, vous avez la carte de tempérance, pardon. Et cette carte-là nous parle, parfois, ça peut nous parler justement de ne pas savoir sur quel pied danser, mais ici, on vient vous dire que vous pouvez avoir une belle connexion avec quelqu'un ici. C'est la carte de la guérison par excellence. Alors, ça nous montre que vous êtes prêt à passer à quelque chose de nouveau parce que vous avez été capable de dépasser, en fait, les ressentiments peut-être que vous aviez par rapport à vos anciennes relations. Donc, vous êtes guéri peut-être, hein, vos blessures sont guéries et vous êtes maintenant capable de passer à une nouvelle relation. La deuxième carte, c'est la carte des sentiments romantiques et elle vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, la personne que vous allez rencontrer sur votre chemin, cette personne-là va avoir des sentiments romantiques sincères pour vous et ce sera de même pour vous également. Ça nous est confirmé avec la carte du roi de coupe. La carte du roi de coupe nous parle d'amour inconditionnel. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Même si parfois le roi de coupe, hein, c'est un personnage qui a de la difficulté à exprimer ses émotions, à montrer ses sentiments, mais soyez assuré que cette personne-là qui sera dans votre vie nourrit des sentiments sincères pour vous, va nourrir des sentiments sincères pour vous, des profonds sentiments d'amour pour vous et un amour inconditionnel, d'accord? Alors, les sentiments romantiques sont véridiques de part et d'autre et vous pourriez vivre vraiment, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de qualité humaine, voire de belles qualités humaines chez cette personne, hein, beaucoup de chaleur humaine. Votre relation pourrait très bien être en santé, hein, une belle relation où il règne l'harmonie, la santé, le bonheur, la joie aussi. Alors, c'est un très, très beau tirage pour vous. Donc, vous voyez pourquoi que je disais toujours waouh, waouh, waouh à chaque fois que je retournais les cartes, parce que vraiment, c'est un beau tirage pour vous. Ça fait du bien parce que ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de tirages, plusieurs tirages où c'était un peu plus négatif, si je peux dire, hein. Donc, ça fait du bien d'avoir au moins des tirages qui sont très, très positifs, hein. Ça balance un peu.
Alors, c'est sûr que ça ne fait pas une belle jambe à ceux qui ont eu un tirage plus négatif, bien sûr, et on les garde dans nos pensées. Mais pour vous, en tout cas, ça augure bien. La dernière carte, c'est la carte, c'est certainement lui ou certainement elle. Et on vous dit sur cette carte, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ou bien si ce n'est pas fait, ça s'en vient très bientôt. Hein, on le voit ici, très bientôt, ça s'en vient. Alors, c'est déjà peut-être ce que la carte veut dire dans votre situation, c'est que c'est déjà écrit dans l'univers, hein, c'est déjà choisi probablement. Alors, c'est certainement cette personne-là qui pourra combler votre cœur. Donc, vous êtes prêt, hein, je vous ai dit que pour certains d'entre vous, vous êtes guéri de vos anciennes blessures. Alors, vous êtes prêt à passer à quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ pour vous. Vous empruntez un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire peut-être aussi. Alors, un très beau départ pour vous. Et finalement, avec une carte extraordinaire, une belle carte, c'est l'opportunité de votre vie. C'est la carte de la roue de fortune, la roue de la vie, votre karma, votre destinée, hein? Alors, une très, très belle carte ici. Donc, il suffit pour vous de saisir l'opportunité qui va se présenter à vous. D'accord? Alors, sachez reconnaître la personne qui s'en vient pour vous. Restez ouvert parce que ça s'en vient très bientôt et vous allez probablement le ou la reconnaître hein, parce que on vous dit c'est certainement lui. Et on a encore une petite précision en fait pour vous. J'ai pigé une carte, mais deux cartes sont sorties aussi pour vous. Donc, la première carte de l'oracle Lumière hein, pour éclairer un peu plus ce tirage, ça vous dit Horizon nouveau. Alors vraiment, ça confirme ici que vous êtes prêt à passer à autre chose, à une nouvelle relation, à un nouveau départ ici. Vous avez la carte Horizon nouveau pour vous qui s'en vient. Et quand on vous dit que c'est très bientôt, bien probablement que c'est déjà dès cet été. Nous sommes déjà dans l'été et c'est la carte de l'été. Je vous l'approche pour que vous la voyez. Alors, c'est probablement durant cet été que vous allez rencontrer cette personne, si ce n'est déjà fait, hein, parce qu'on nous dit que vous avez déjà rencontré. Alors, peut-être que certains ont déjà rencontré, mais peut-être que pour les autres, c'est écrit dans l'univers et ça s'en vient, mais au courant de l'été. Alors, surveillez, mes chers poissons célibataires, ça s'en vient pour vous. Vous avez un excellent tirage avec beaucoup d'amour, de chaleur humaine, d'amour inconditionnel, une belle opportunité pour vous, une belle connexion, un beau potentiel amoureux, hein, et ça s'en vient très rapidement pour vous. Alors voilà, mes chers amis poissons, ça met fin à votre tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, de solutions aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer à travailler pour vous, vous donner des beaux messages, ou peut-être des fois, parfois moins beaux, mais en tout cas, à continuer à vous donner, livrer des messages pour votre vie. Et donc, ça fait plaisir quand on voit ces pouces bleus, hein, ces pouces en l'air, ça nous encourage. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages mais n'ont pas accès à mes vidéos. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et aussi, je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Alors, mon adresse courriel pour me rejoindre se trouve en barre d'infos. Dès que vous rentrez en communication avec moi, je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs. Alors, voilà. Donc, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. D'ici là, prenez soin de vous. Aimez-vous d'abord, hein, et on se retrouve le mois prochain. Donc, merci de votre habituelle écoute, votre présence et votre fidélité, et on se retrouve pour d'autres énergies sentimentales au mois de septembre déjà. Merci, au revoir.